Allez, messieurs, ça va? Bravo! Ça va bien, vous avez bien voulu, bien été restauré, tout ça? Ouais, vous n'avez pas payé trop cher? Non, c'est pas. Donc, on a eu plein de choses différentes et on va encore en avoir là. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de cornemuse aussi. Ben Zay. D'accord. Donc, on a. On a de la cornemuse, Gilles? Oui! De la cornemuse? Absolument. C'est un choix politique et social. Mais attends, parce que... Excusez-moi. Mais quand tu dis Véro, c'est Véro, Véronique Duhem? C'est elle. Véronique Duhem. Véronique Duhem. La joueuse de cornemuse. Ah, ouais. Du bradiste tous les lundis, tout ça. Avec carrément. Claire. Ok, mais écoutez, mesdames et messieurs. Wow. Ah ben, on a une pointure, voilà, une pointure de la cornemuse. Je vous demande un triomphe pour Véronique Duhem, s'il vous plaît. Entre 20 et 25 degrés et 80% d'humidité. Comme les femmes. Le problème, c'est que... Il y avait un Irlandais qui m'expliquait qu'en Irlande, il y a plus de variations climatiques qu'ici. Je ne comprenais pas parce qu'en Irlande, il pleut tout le temps. Alors, il m'expliquait... Oui, mais il y a des pluies plus ou moins fortes. Et donc, l'hygrométrie varie d'une pluie à une autre, très fort. Alors qu'en France, ici, dans le sud, il pleut, oui, mais pas assez longtemps pour faire varier l'hygrométrie. Et puis, vous savez l'avantage d'aller en Irlande l'été ? Mais c'est que la pluie est plus chaude l'été que l'hiver. Et puis, l'été dernier, j'ai vraiment eu de la chance. Parce que l'été, c'est tombé un week-end. Alors, je vais essayer de vous jouer un air de cornemuse. Qui s'appelle The Drunker Piper, le joueur de cornemuse ivre. I'm only here for the beer. Je suis juste là pour la bière. Alors, tout l'art de jouer de la cornemuse, c'est de transformer le bruit en son. C'est ça le plus terrible. En plus, accorder une cornemuse, c'est un instrument qui est toujours un peu faux qu'on essaye d'accorder juste. Et en plus, je suis sourde. Ce qui n'empêche pas d'avoir une bonne oreille, hein. Ça n'a rien à voir. Mais ça devient un peu compliqué. Avoir une bonne oreille tout en étant sourde, pour accorder juste un instrument qui est toujours faux.
J'ai déjà fait arrêter le chauffage. C'est toujours périlleux. C'est vraiment un défi à chaque seconde, cet instrument. Déjà, je me rappelle du début. Bon, on va essayer de l'accorder déjà. Tu attends quoi, Véro? Ah ouais. L'introduction du morceau, s'il te plaît. Ah, d'accord. Tu veux pas faire un peu de musique avant?